Tu vas prendre ce tamis-là. Non, mais c'est parce que c'est écrit en papier. Combien de temps? Verser 60 grammes de blanc. Là, je vais m'en servir mercredi, jeudi, je fais des éclairs. Ah, d'accord. C'est le gros problème. Prends ce temps. Crème anglaise, crème pâtissière. Oui, donc il n'y a pas forcément besoin de ça. Moi, je fais un caisse au jaune d'or. Ouais. Bah oui, non, on va prendre des... Oui, il y a des... Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. C'est quand on en a beaucoup, beaucoup. Ouais. Des fois, j'ai recommencé des macarons. Verser poubelle. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est Je vais faire une petite recherche sur les bottes. Ouais, alors, est-ce que vous voulez qu'on la passe au chinois ou est-ce que vous préférez avec ou sans pépins? Et moi, des petits pépins de framboise, est-ce que ça gère? Avec pépins, c'est bien. Ouais, moi aussi, je trouve ça. Moi, j'aime bien aussi, mais c'est après, c'est décidé. Mais ça reste intéressant. On pourrait prendre ça dans un récipient et on le met au frais. Voilà. Pour accélérer la froid. Où est-ce que je vais trouver ça, moi? Après ça, peut-être. Bah, j'en ai lavé un là. Bon, bon, il y en a un petit là. Ouais. Donc, il faudrait séparer les blancs des jaunes. Ouais. Pas de problème. On sépare tout et on pèse après. D'accord. Mettez les jaunes, je vais vous donner un petit récipient. Ok. Je vais les garder. En gros, ça fait 5 litres normalement. En tout, pour les 2x75, vous pouvez bien peser vos 75 de chaque côté après. Pourquoi tu me donnes le temps de blanc? Bah parce que c'est, moi j'ai mes 2x75, donc tu peux ajouter. Ah, t'en as plus, d'accord. Ok. Ça, c'est pour les jaunes? Oui, ça, c'est pour les jaunes. Et il y a l'équivalent de combien d'œufs à peu près dans le type, tu sais? C'est entre 2 et 3. Et donc, ah non, 2 et 3 Pour 75. Ouais, 75, c'est entre 2 et 3, donc j'ai dû en faire 6 là. Et donc il y en a 1 et demi, je m'imagine. D'accord. Et le truc, c'est que la balance, elle est réglée normalement pour être à 0. Être... Non, elle est arrêtée. Mais là, je vais peser ça. Il faut séparer les blancs des jaunes. Ouais, voilà. On commence déjà par faire 5 œufs, et puis après, on pèse. D'accord, on va avoir d'un côté 75 et de l'autre côté 75 aussi. Oui, c'est la même chose. Moi, j'avais pas chauffé du tout. C'est pas mal. Là, c'est parce que c'est tout. Et on va les faire les jambes. Non, non. Je comprends. L'histoire du pinceau, j'ai pas tout compris. Mais en fait, c'est-à-dire pourquoi on ferme en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des chutes. Et ça cristallise. Ça met bon moi aussi. Ouais. Ah, je pense que là, il y a un peu mal en point. Ça n'a pas la tête. Une grille. On cherche de l'or, c'est ça. Ça ouais, c'est vraiment ma tête très réactive. Hein. On va casser cette coquille. Hein. Bon, ça va être là parce que ça va, Marie. Ça. Parce que le but, c'est de ne pas faire passer les trucs. Les grumeaux. Okay. Ça, c'est ton mélange. Il faut bien racler le fond. Mmh. Pas mal. Celui-là, t'as mis un peu plus épais. Hein. Tu veux en faire? Non, je veux faire. Tu as vu, c'est ça comme il est jaune foncé celui-là par rapport? C'est parce qu'il y a plus. Je sais pas, il n'y a pas un chinois. Hein? C'est un chinois. C'est un chinois. C'est un chinois.
Le chinois, c'est une passoire pointue, non? Oui, oui, voilà. Ça c'est un tamis. D'accord. Il faut d'abord que j'en fasse 5, on en avait déjà fait un, hein, donc on va en faire un avant de deux. Les gros grains, vous voulez éviter de les mettre, hein? Voilà. Alors on va préparer les plaques. Là, vous avez des cahiers d'empreintes, si vous voulez, pour faire les tailles des macarons. Mm-hmm. C'est quoi la posture? Voilà, donc à chaque fois, vous avez une taille. Pardon. On va faire des plus petites, un petit peu plus gros. Alors. On les met en dessous, après on l'enlève, on fait la cuisine. Mais il existe des vêtements. Eh bien, tu vas pouvoir vérifier la température. Eh bien, moi je propose que tu prennes un autre plat que tu tares et puis tu renverses. Un autre plat, tu prends un autre saladier, tu le tares sur la balance, ouais, et tu verses tes blancs dedans. Ça va être pratique, hein, parce qu'un blanc, c'est un peu... Le sien, il est... Ah non, c'était celui-là déjà. À 101, ça monte vite. Et du coup, tu peux commencer à battre dans à 114. Non, là, on est à 93. Parce que le sirop va assez vite, alors. 105. Je vais prendre le mien. J'ai fait 106. Alors je vais le prendre pour voir où j'en suis moi. Donc là on a combien? 106. Ouf. On va faire les 17. On va faire les deux ensemble. 108. À combien? 114. 114, c'est l'alerte à 114. Oui, parce que c'est variable. Là, selon les recettes, c'est quoi, c'est 118. Voilà. Et normalement, c'est 118, mais elle a dit qu'à 114, ah, il faut mettre des blanches. Blanches. Oui, un truc comme ça. Oh là là, moi, je suis en train de bouillir, là. 109, ça pose trop. Je prends une cuillère, 110. Moi, je devrais y être. Non, mais c'est... Enfin, je pesais 150. 108. Ah, non, c'est pas 150. Non, c'est pas 150. Non, mais peser 150, parce que comme on va faire les deux meringues en même temps. Ah bon, d'accord. Ce sera. Ça va plus 111. Ça va, c'est que je baisse ou pas? Oui, je veux bien. 112. Alors, ça vient? 112. 112? Bah, je vais bientôt lancer les œufs alors. 145. Vous arrivez à combien? 150. 150 grammes. 150 grammes de blanc. On y est presque. 149. 149. Allez. 112, 113. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Et voilà. Mm-hmm.